J'ai remis une cordelette pour suspendre le gourdin quand je pars. Mais avec l'incision que j'ai faite ici, ça me permet de l'accrocher facilement pendant que je travaille. Donc, entre les morceaux, je l'ai à portée de la main. Et puis, en enlevant du diamètre un peu, la prise en main est meilleure. Oui, ça me donne un peu plus de force de frappe. Ça trompe pas, hein? C'est bien un cerf de Virginie qui est venu grignoter les petites branches. Il est tombé de 30 à 40 cm en une semaine depuis la dernière visite. Donc aujourd'hui, opération déneigement avec les longues raquettes, les guêtres, le stock dans le traîneau et même de l'aide. Cet arbre-là, là, on passe debout en dessous quand il n'y a pas trop de neige. Une des raisons aussi pour que j'ai pris le traîneau au lieu du sac à dos. Bon, ben, il dépasse pas grand-chose. Puis, tes impressions? Oh, neige! C'est tout là, mon temps, c'est pas agréable. Je suis volé. Pendant que je vais déneiger, il va faire un feu sur la neige. Un vrai feu d'homme. Bon, ça s'en vient. Là, vu qu'on est deux et qu'on fait pas le feu en dessous, la chaleur de toute façon ne se ramassera pas. Je pense que je vais le mettre au plus haut. Ça va donner plus d'espace sur nos têtes. Comme c'est la première sortie de mon mari, et vu l'effort à fournir pour monter et déneiger, aujourd'hui, on va manger chaud. J'ai prévu les thermos dans leur doudoune. Une bonne soupe au pois et jambon. Ça réchauffe, ça se tient. Trois pastilles. Le café est prêt.